des larmes de colère parce qu'ils n'ont pas le droit de te faire ça. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est quoi? C'est tout simplement, ceux qui sont venus ici, nous, ce qui importe, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Et la qualité qu'on met en avant, c'est, je répète encore, la qualité humaine. Parce que tout le monde doit comprendre qu'on a une part de responsabilité. La personne qui ne parle pas cautionne ce qui se passe. La personne qui pense protéger son confort, sa vie, c'est un mensonge. Nous, hier, on était tranquilles. Nous, pas qu'on s'en foutait des autres. Moi, Adama, j'ai entendu à la télé. Pareil, pour le frère d'Amel Bentoussi, pareil. Également, on entend à la télé, on regarde comme on regarde un feuilleton. Mais quand la réalité devient, quand la fiction devient la réalité, tout d'un coup, on se pose des questions. On a aussi notre part de responsabilité. En tant que citoyen, en tant qu'être humain, on doit parler. Et le fait de ne rien dire et de se cacher derrière un confort, et ça continue à nourrir un peu cette machine. La police, certes, nous on n'est pas anti-police à la base. On n'est pas anti-police et nous ne le sommes pas. On ne deviendra pas anti-police. Théo, dans son message, quand il dit qu'il pardonne, ce qu'il faut comprendre, c'est dans sa reconstruction, il ne va pas se éternir. Son cœur ne va pas noircir à cause de ces quatre policiers. Il y aura la justice, mais il va se reconstruire. Et pour se reconstruire, à un moment donné, le pardon est obligatoire. Si tu commences à rentrer dedans, c'est toi qui te bousilles. Et nous, on refuse qu'ils se bousillent. Des gens viennent me voir pour me dire, le pauvre, on a gâché sa vie. Mon frère a 22 ans. Comment moi je peux entendre et accepter ça? À 22 ans, dire que voilà, effectivement, sa vie, on l'a gâché. Ils ont essayé, mais ils n'y arriveront pas. Ça va être dur, mais on sera ensemble. Alors tout simplement, chaque personne qui, désolé, doit vraiment s'interroger sur son rôle sur Terre. On n'est que de passage. C'est pas quand ça m'arrive que je commence à réagir. C'est trop tard. C'est avant qu'il faut réagir. Quand on crie tout seul, on a du mal à se faire entendre. Quand on crie ensemble, c'est là qu'on nous entend. Alors ce que je demande aux gens, c'est de s'unir aussi. Et quand c'est pas juste, il faut savoir dire ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal ce qui arrive. Force de l'ordre et non du désordre. Ok? Il n'y a personne. Moi je suis désolé, on peut être de n'importe où. Il faut respecter chaque vie humaine. Si j'ai fait une bêtise, je ne suis pas dans les cadres. Respecte ce qui a été établi par la société. Respecte la loi. Suis le protocole. Fais ce que tu dois faire. N'invente pas autre chose. Il n'y a pas une personne qui mériterait plus que ça. Je suis désolé, mon frère, c'est pas un dealer. Mon frère, c'est pas un voyou. Mais ça ne veut pas dire qu'un dealer ou un voyou mérite ça. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Ce que je dis aussi, c'est si moi je deal, si moi je vole, la loi va s'appliquer à moi. Je serai puni comme l'exige la loi. C'est l'intérêt de la démocratie. On se met d'accord pour établir des règles ensemble. Et à un moment donné, les plus grands voyous, j'ai l'impression, c'est ceux qui portent l'uniforme. Ils se sentent invulnérables. À un moment donné, il faut savoir dire stop. On va commencer à dire stop, à stop. Ils diront stop également. La police, nous, famille de Théo, on est là. Malgré la vie qu'on veut lui refaire un CV, un parcours. Carrément, on a osé nous dire qu'il avait un tube à essai dans les fesses. Mais c'est quoi? Mais moi, jamais j'aurais pensé. Donc, à un moment donné, les trucs qui tournent comme ça, c'est pas possible. Il va falloir commencer par le début. Dire tout simplement que voilà, là, la faute, elle se trouve là, l'agresseur se trouve là, on le condamne. On le condamne, on n'est pas d'accord. Donc là, désolé, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont dits, des choses qu'on n'a pas dit. Depuis le début, on ne s'est pas exprimé. Donc là, c'est aussi à chaud. Tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on voudrait dire quand on lit des commentaires sur Facebook qui sont tout simplement horribles, on a envie de répondre. Donc là, il y a un peu, c'est mélangé un petit peu, mais dans tous les cas, je pense que chacun a une part de responsabilité. Quand c'est pas juste, on dit c'est pas juste. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? C'est pas si important. Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé ou pas? Oui ou non? Juste ça. Merci. Il ne faut pas hésiter à venir vous approcher, prendre la parole. Après, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est beaucoup dans la revendication. Ça fait des années qu'on revendique, ça fait des années qu'on se rassemble. Il n'y a rien qui change. Donc maintenant, on va passer à une étape supérieure. On va être dans les propositions. Donc on va aussi proposer nos solutions. Ça fait 30 ans qu'ils essayent de mettre en place des choses, même plus 30 ans, et il n'y a rien qui fonctionne. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit la même pour tout le monde. Que la justice soit la même pour tous. Et qu'on soit traité de la même façon que tout le monde. Donc là, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre le micro, qui ont des familles de victimes, qui veulent s'exprimer,
vous invite à vous avancer et venir prendre la parole. Désolé, je ne suis pas habitué à prendre la parole comme ça en public. Et malheureusement, au moment où le GIGN est intervenu, donc déjà faire intervenir le GIGN pour quelqu'un qui n'est pas rentré de permission, on peut quand même se poser des questions sur l'utilité de la chose. Il a été perforé de 7 balles dans le thorax. Donc on voulait adresser toute notre solidarité à la famille Théo et dire que c'est plus possible. Donc au sein de ce collectif, justice et vérité pour Angelo, il y a des choses qui sont passées. Il y a deux policiers qui sont mis en examen, c'est déjà une grande victoire, sachant qu'en plus ils font partie du GIGN de Tours. Mais à un moment, ça doit se stopper. On doit tous se serrer les coudes et ne pas laisser passer ça. Donc voilà, je ne vais pas faire de grands discours, juste avoir une pensée très profonde pour la famille d'Angelo et pour le collectif Justice et Vérité pour Angelo. Voilà. Par violence policière, j'entends les violences physiques, les violences morales, les insultes, les humiliations, toutes ces violences-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de se cacher derrière le terme bavure policière, erreur policière. Il n'y a pas d'erreur. Quand il y a violence, il y a violence. Quand il y a un citoyen qui commet des violences sur un autre, on qualifie cet acte de violence. On ne se cache pas derrière d'autres termes. On ne se cache pas derrière une justice complice. Donc maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est que justice soit rendue pour toutes les victimes de violences policières. On veut qu'ils arrêtent cette justice à deux vitesses. Quand ce sont des policiers qui commettent des violences, là, les preuves, elles disparaissent. Là, la vitesse de la justice... elle s'en trouve ralentie. On a du mal à porter plainte. C'est pas normal. Il faut dire non à l'injustice. Il faut se mobiliser. Il y a des gens, il y a des peuples qui sont partis de bien plus loin que là où l'on est. Ils avaient tout à acquérir. Excusez-moi. Leur liberté, leur honneur. Nous, on est là dans ce pays depuis des décennies. On sait lire, écrire, on est éduqué. Donc, réclamons nos droits. Merci. C'est-à-dire que l'affaire de Théo est aujourd'hui médiatisée uniquement parce que il y a eu des preuves de son agression. Ça veut dire que si cette agression policière, cet attentat policier n'avait pas été filmé par un citoyen ou une citoyenne, jamais la justice ne tiendrait compte de cette affaire. Théo figurerait parmi la liste interminable des personnes qui sont condamnées pour outrage et rébellion, qui sont accusées d'avoir violenté la police. Voilà la réalité. Donc, il ne faut à aucun moment penser que nous sommes en face d'une démonstration de justice. Nous sommes en face d'une démonstration de mascarade de justice. Voilà la réalité. C'est pour tout le monde en tout cas. Sachez que tous les policiers qui nous attendent, on leur oublie des apports à vous aussi. Soyez raisonnables. Ils sont là-bas. Oui, monsieur. Soyez raisonnables. Arrêtez de violer les gens. Arrêtez de tremper les gens. Arrêtez de traiter les gens. Ça y est. Voilà, on a grandi maintenant. On en a marre! On a fait une guerre civile, ça continue! Alors, pour finir là-dessus, j'aimerais vous dire, au-delà des couleurs, chacun exprime sa douleur à sa façon. Chacun exprime son injustice à sa façon. Plusieurs personnes sont venues nous voir avec des dossiers différents. Un policier m'a frappé, un policier m'a fait ci. J'ai eu ça comme situation. Chacun exprime sa douleur à sa façon. Donc, je respecte la manière de le dire de chacun, mais sachez une chose. Par contre, ceux qui cherchent à nous diviser, notre message sera moins fort si on est divisé. Oui. Donc, dans l'unité, on aura plus d'impact. Ce qui nous dérange, c'est l'injustice.
Ce qui nous réunit, c'est l'injustice. Ce qu'on dénonce, on dénonce plutôt, c'est l'injustice. C'est notre ennemi commun. On parle de ça. C'est ça qu'on dénonce. Si on nous dit liberté, égalité, fraternité, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas liberté pour les uns et autre chose pour les autres. C'est pas possible. Donc, ne nous divisons pas. Ensemble, on aura plus de poids. Il y a des moments qui sont importants dans l'histoire. Certains, dans le passé, nos ancêtres ont su se réunir, se rassembler pour dénoncer des fois des injustices. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'en est une qui est assez grave, qui va révéler beaucoup de choses. Parce que les vidéos où on voit ce qui s'est passé, c'est eux qui les détiennent. On ne les montre pas. Heureusement que des vidéos amateurs ont dénoncé et ont montré ça. Il était difficile après de se cacher. Il fallait trouver autre chose. Donc je répète encore une fois, c'est contre l'injustice. On a fait un rassemblement pour pointer du doigt l'injustice. Moi, je tenais juste à dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon frère Yacine, de son vivant, serait venu. Il est venu à la dernière mobilisation. On était tous présents, d'accord ? Donc voilà, je voulais vraiment le représenter aujourd'hui parce que mon frère serait venu réellement. Et voilà, on en a marre de l'injustice. On en a marre de ne pas être considéré. Et aujourd'hui, on demande une seule chose, c'est justice pour Théo, mais aussi justice pour tous. Ouais. Voilà, vraiment justice, justice pour Théo et justice pour tous. Merci beaucoup d'être venu.